Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera ma première partie de la soirée du 24 septembre. Donc c'est le tournoi de la cantina que je fais parfois. Donc là malheureusement mon adversaire met la blanche à la casse. Donc je joue contre Nicolas. Alors il m'a dit qu'il jouait depuis 6 mois régulièrement bien, mais que depuis 6 mois. Donc là je voulais partir jaune. Malheureusement j'ai raté mon coup, je voulais partir avec la jaune en milieu de table. Donc je lui donne les jaunes. Et là malheureusement, il touche la blanche pendant qu'il lime. Donc je vais écarter un peu le paquet de rouges là qui se gênait les unes les autres. Donc là je me replace sur la bille la plus embêtante. Voilà celle-là. Et maintenant je vais essayer d'aller chercher celle qui est devenue la plus embêtante, mais je pense que j'aurais pas dû. Je voulais la choquer. Malheureusement, comme je suis loin, je loupe. Là, j'envoie un tir, mais beaucoup trop fort. Donc là évidemment je vais tout de suite jouer la rouge en bas. Puisqu'elle ne passait pas en bas à gauche. Là je voulais faire une sorte de rétro et m'arrêter dans la noire, mais comme j'étais en chevalet par-dessus, c'était un peu compliqué. Là je tente en bas à gauche. Comme ça si je prends la poche c'est tout bénef. Et là, je refais la même erreur que tout à l'heure. En voulant essayer de reculer et m'arrêter dans la noire, je tire trop fort. C'était peut-être pas utile. Bon, là, je vais bouger la rouge pour pas qu'elle soit gênée par la jaune et laisser la blanche tout en haut du billard. Malheureusement, j'ai rien à faire, donc je vais attendre. Alors je ne sais pas si il voulait qu'elle tombe, mais il est pas bien. Du coup, il fait faute. Alors là, je rate tellement mon coup que je me mets droit sur la rouge, sur l'autre coin. Petit coup de bol. Et on va pouvoir déposer mieux. 1-0. On la casse. Ça tombe, mais c'est pas terrible comme casse. C'est un peu serré au niveau du là où il y avait triangle. Je préfère jouer vite celle-là pour pas qu'elle m'embête. Et là, je tente un coup un peu compliqué, un appui sur ma propre jaune. Donc là, il veut aller se cacher dans ses rouges. Malheureusement, il y a le contre de la rouge qui ressort la blanche, qui me permet de voir les deux là. Donc je vais m'empresser de les décoller. En plus, ça se passe bien derrière parce qu'il est obligé de jouer en haut. Donc là, la plus embêtante, c'est la jaune qui est près des deux rouges. Et je vais essayer maintenant. Comme elle passe en haut, je me suis dit, allez, soit je prends la poche, soit je l'empoche, mais malheureusement je loupe la visée et je me mets une bille en otage. Donc là il est entre guillemets tranquille. Donc je me suis dit, allez, je prends l'autre poche potentiellement. Comme il a beaucoup de billes en haut du billard, ça peut le gêner. Donc là évidemment je voulais et empocher et bouger la rouge en haut. Mais bon, c'est un mal pour un bien puisqu'il est obligé de la retirer.
Là, c'était beaucoup trop fin, je pense que c'était impossible. J'aurais pas dû faire ça. Alors, si vous regardez cette vidéo pas loin de sa sortie, n'hésitez pas à venir m'aider et voter pour le jingle de la chaîne, le futur jingle. Donc, je vous mets ici en lien une vidéo explicative et donc vous pourrez aller voter dans l'onglet post de la page d'accueil de la chaîne. Ok, donc là, ça rouge. Est prise en otage maintenant par ma bille. Donc je vais en profiter. Je vais placer mes billes tranquillement. Je vais obliger l'adversaire à faire faute. En général, sur la chaîne, il y a un décalage assez important entre le tournage de la vidéo et la diffusion. Là, je pense que c'est le record en termes de décalage, puisqu'on a tourné ça le 24 septembre. Donc c'est tout frais. On le laisse jouer. Je fais exprès qu'il voit la rouge, comme ça il est obligé de taper dedans. Et il travaille pour moi en gros. Donc on va essayer de fermer maintenant. Là j'ai juste à déposer. Malheureusement elle tombe pas. Bon au moins je peux l'avoir de partout sur la table. Faut juste que sa rouge se mette pas entre la blanche et la jaune. Ok c'est bon, on va pouvoir se mettre droit sur la noire. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas qu'au billard, lorsque vous limez, il faut s'arrêter avant de toucher la blanche. Allez, salut!